Ça va. Ça va. Autant sortir mes affaires. Quel honneur que d'être la sœur du médaillé d'argent de la course de canards en plastique. Je crois pas. Gabe a aussi cette photo. Regardez nos parents. Maman est en pleine santé. Papa n'est pas encore tout à fait un connard. Oh mon Dieu, Chouchou va avoir l'air tellement crade sur ce joli lit. Elle m'a aidée à tenir pendant les moments difficiles, mais j'espérais qu'il n'y en aurait plus. Ethan a un talent fou. J'ai plus jamais eu de nouvelles de Sydney. J'espère qu'elle va bien. Je comptais pour elle au moins. C'est déjà plus que pour la majorité des gens. J'aurais vraiment aimé que ces médocs marchent. Chelsea, l'un des seuls rayons de soleil de mes années au foyer. Donc Gabe aidait Riley à préparer son entretien, et Mac croyait qu'ils couchaient ensemble. Putain, qu'il est con.
c'est Charlotte qui l'a faite. Gabe a bien dit que c'était une artiste, mais je pensais pas que c'était une pro. Jamais je pourrais créer quelque chose d'aussi intime. On n'a même pas pu finir la chanson. C'est une épée ? Gabe a toujours voulu un vélo comme celui-ci. Ethan a un talent fou. Pas étonnant vu que sa mère est une artiste. C'est dingue de voir comment on a changé. J'ai frappé Gabe à cause de cette connerie. Alex. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? J'ai l'impression que j'ai bien fait courir Gabe, hein? Anita et Eduardo. Ils étaient gentils. Diffusé depuis votre revendeur de disques local. Parce que ça fait carrément cool. Au moins, j'ai réussi à ne pas craquer devant Ryan et Steph. Waouh. On dirait que Ryan a transformé mon frère en citoyen modèle. Oh merde. On dirait que Gabe l'a vraiment lu. Hein, quoi? Est-ce que c'est un vrai cerf mort? Ça doit être à Ethan. Je me demande combien de fois Gabe a été obligé d'y jouer. Ils ont vraiment changé le style des dessins depuis le dernier numéro que j'ai lu. C'est une épée ? Je sais reconnaître un coup de pied dans le mur quand j'en vois un. Je sais reconnaître un coup de pied dans le mur quand j'en vois un. On a tous les deux connu des gens qui ont essayé de nous aider. Je suis heureuse que ça ait fait une différence pour Gabe.
Oh là là, Gabe arrêtait pas de me laminer. Salaud. Gabe a l'air à sa place ici. Ok. Comment il a fait pour monter ça ici? Pas besoin de pièces, on dirait. Journal. C'est le moment d'y ajouter ma dernière crise en date.
Bof. Je finirai ça plus tard. Putain, je rêve. Bravo Alex, tu viens de péter un câble et de tabasser un mec devant ton frère. Alors, comment tu te sens là maintenant ? When you were here before, couldn't look you in the eye. Dressed like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Toi et tes surprises, Gabe. Être ici, c'est trop beau pour être vrai. Je laisserai rien gâcher ça. Je devrais descendre et m'expliquer avec Gabe. Gabe a l'air à sa place ici. Oh là là, Gabe, arrêtez pas de me laminer. Salaud.
Ryan, laisse tomber. Arrête. Faut que tu fasses attention à toi. Je me suis occupé de Mac. Voyons dans quel état tu es. Oh, ça a l'air particulièrement douloureux jusqu'ici. Ah. Tu as mal quand tu respires ? Alex, te voilà. Ouais, un peu. Charlotte, c'est ça ? On va te donner de la glace. Désolée que t'aies dû voir cette bagarre. Tu parles d'une première impression. Papa ? J'emmène Gabe au poste. Il nous faut une trousse de secours qui ne date pas d'avant la découverte des bactéries. Ça va, j'en ai pas besoin. Ryan sait très bien ce qu'il fait. Va avec lui. Alex, je reviens vite, d'accord ? D'accord. Bon, adieu à mon barman et à mon barman de secours. J'aime beaucoup. C'est une étoile filante ? Ouais. Ou montante. Ça dépend des jours. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Waouh. Je sais pas. La journée a été mouvementée jusqu'à présent. J'imagine bien. Il paraît qu'Ethan t'a donné un numéro de sa BD. Il te trouve cool, c'est certain. Je m'y connais absolument pas en gosse, mais Ethan a l'air gentil. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est mon humain préféré. Et une tourte au bœuf. Attention à la sauce. Jed, il fallait pas. Ryan a dit que tu sautais le dîner. Pas d'artiste affamé chez moi. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des choses à faire pour le festival du printemps et il faut que je les termine ce soir. Désolée de pas rester. Oh, c'est pas grave. Heureuse que tu sois là, Alex. Je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Moi aussi. Ouais. Bye. Merci pour le dîner. De rien. Et je suis en sous-effectif en ce moment. Gabe m'a dit que t'avais travaillé dans un restaurant. Et que t'avais 2 ans d'expérience en service. Gabe vous a menti. J'ai jamais travaillé dans un restaurant. Il s'arrête jamais, lui. Mais j'accepte l'offre avec plaisir, si le manque d'expérience vous va. Tu veux essayer ? C'est plutôt calme, là. Et on ne fait pas de manière ici, tu peux me tutoyer. D'accord. Merci. Très bien. Alors, il y a quelques personnes dont il faut s'occuper. Ducky et Diane, là-bas. Steph, par ici. Il y a une table à débarrasser au fond aussi. Tu peux me donner les commandes de nourriture et je m'occuperai des clients au bar. D'accord ? Compris. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Alex. Merci. Me voilà serveuse. Voyons ce que ça donnera. Mon père était dans l'armée. Je me suis pris un blâme parce que mon portable était allumé. Je l'avais même pas sur moi. Il a dû se mettre à vibrer dans mon casier pendant que j'étais de service. Ouais, ils sont vraiment très à cheval là-dessus. Recommencer à zéro comme ça ? Putain, c'est vraiment terrifiant. Je suis bien placé pour le savoir. On fait sauter des montagnes.
Recommencer à zéro. Écoute, comme ça. Je comprends, gamin. Je me plie en Putain, quatre. Putain, c'est vraiment terrifiant. Noé a construit son arche. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, je sais bien. Je vide mon... Fiche, lui, gamin. Toujours en train de se battre. Faut qu'il grandisse. Il aurait dû voir Gabe s'engueuler avec papa. Il a fait des progrès. Fiche, lui, gamin. Toujours en train de se battre. Faut qu'il grandisse. Waouh, le tétanos, vous connaissez? J'espère que Ryan est mieux équipé. Les choses s'améliorent, c'est certain. Qu'est-ce que je peux vous servir? Mademoiselle Chen. Te voilà, le suspense est enfin levé. Bonjour. Je suis Reginald McAllister, troisième du nom. Ducky, pour les amis. Ancien entrepreneur à la retraite. Et cette jeune femme, c'est Diane. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Je savais pas que... Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Si, Gabe est très généreux, hein, en amitié comme en information. Tu viens de Portland, non? J'ai déménagé de Washington il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville? Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais... C'est parfait. Je me sens chez moi. Je sais. Je pensais que j'allais détester vivre ici. Et puis j'ai vu les montagnes, rencontré des gens, et je partirais pour rien au monde. Diane est géologue. Elle est responsable des procédures chez Tifo Mining. Je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous servir? Oh oui, on est mort de faim. J'aimerais une tourte du jour avec frites. Un cheeseburger avec des champignons. Et ma boisson habituelle. Jet saura quoi faire. Très bien, je vais passer votre commande. Merci. Mon père était dans l'armée. C'est le dispensaire de Charlotte. Elle a l'air cool. Ryan a l'air d'être quelqu'un de gentil. Hey Jed. Oui? J'ai une commande pour Ducky et Diane. Je t'écoute. Un burger avec champignons. Et merde. Désolé, je crois que j'ai oublié la commande. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. De qui a demandé sa boisson habituelle? Oui, c'est ça. Il aime un whisky d'orge en particulier. Je lui en garde une bouteille, rien que pour lui. Tiens, c'est bizarre. Je la vois pas. Non, attends. Je parie que Ducky a monté la bouteille hier. Gabe et lui sont allés faire la bringue après la fermeture. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est bien fait pour lui. Mais tu peux monter la chercher si tu veux. Je suis sûr qu'il t'en remerciera. Oh, et si t'arrives pas à la trouver, le shérif adjoint Pike était avec eux. Il aura peut-être une idée. Il vient vers cette heure-ci, généralement. Il devrait pas tarder à arriver. Il y a sûrement quelque chose dans le Black Lantern qui m'aidera à trouver le whisky préféré de Ducky.
à l'expo. De qui ? Jet pense que vous avez monté votre whisky chez Gabe hier. Vous savez où vous avez pu le laisser ? Je n'ai absolument aucun souvenir de la soirée. Ah bon ? Regardez votre téléphone. Vous avez pris des photos, appelé quelqu'un ? Regarde. Merde alors. Comment j'ouvre les photos sur ce truc ? Joli. Pauvre de qui ? Je devrais pas lire ça. Désolée, y a rien d'utile. En tout cas, merci de me l'avoir dit. Mon père était dans l'armée. Mademoiselle Chen ? Mon père était dans l'armée. C'est la fille du magasin de disques. Steph. Alex, c'est ça ? Moi, c'est Steph. Salut. Je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose. Oh non, c'est bon, mais merci. Je suis désolée de pas avoir pu te parler au magasin. On peut papoter maintenant, si tu veux. T'es venu avec quelqu'un, ou... C'est les affaires de Ryan. On dirait qu'il m'a lâché pour Gabe. Ils sont allés chercher une trousse de secours. Ils jouent encore les héros. Ryan passe sa vie à faire ça. C'est une histoire de famille. T'as entendu parler de l'exploit de Jed ? Ça a fait beaucoup de bruit. À l'époque où il était mineur, il a sauvé... Ça m'étonnerait. Alex ne s'intéressera pas aux faits divers de Evan. Pardon, Jed. Il aime pas se vanter, mais il y a des informations là-dessus partout, si tu cherches. Intéressant. C'est l'inventaire du magasin de disques ? Non, c'est des caractéristiques de perso. Tu sais ce que c'est, hein, GN ? J'en ai déjà entendu parler. Grandeur nature. C'est comme un jeu de rôle sur plateau, mais joué en vrai. Avec des costumes, des armes en mousse, des sachets de sorts. C'est trop bien. Gabe parlait d'un GN avec Ethan. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ils viennent avec moi. C'est leur premier. Je suis toute excitée. Ça te dirait de te joindre à nous un jour ? Je veux bien essayer, oui. Si vous aimez ça, Gabe et toi, c'est que ça doit être sympa.
Génial. C'est ton chat, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un schnapps éblouissant au kiwi. Personne n'en a jamais commandé, donc Gabe essaie de s'en débarrasser avec le jeu du jukebox. C'est quoi le jeu du jukebox? C'est comme une version raccourcie de 20 Questions où t'essaies de deviner le titre d'une chanson. Si tu te plantes, tu bois un shot. On allait y jouer, Ryan et moi. Ça te dit de le remplacer? Carrément. Yes! Donc, je vais choisir une chanson et tu pourras me poser 5 questions fermées avant de devoir deviner le titre. D'accord. C'est bon. Le jukebox est à toi. Alors, qu'est-ce que tu veux me demander? Je devrais regarder les titres disponibles et réfléchir aux questions à poser. Y a-t-il un animal sur la jaquette? Non. Pas d'animal. Oh, dommage, il y en a qui sont super mignons. Je sais. Pourquoi t'aimes cette chanson? Bon, a priori, on oublie la règle des questions fermées. Tu survivras? Pourquoi j'aime cette chanson? Les paroles me font trop rire. Même le titre est marrant. Ça me rappelle de bons moments. Un titre marrant, tu dis. Est-ce qu'il y a de la ponctuation dans le titre de la chanson? Non. Ok. Il te reste 2 questions. Est-ce que le nom du groupe inclut le nom d'une personne? Non. D'accord. Dernière question. Ouais, c'est bon, je sais. Est-ce que le titre de la chanson est long, genre 4 mots ou plus? Oui. Intéressant. Ça fait 5 questions. T'es prête? Ouais. Laisse-moi regarder la liste encore une fois. Voilà ce que je sais. Le nom du groupe n'inclut pas le nom d'une personne. Il n'y a pas de ponctuation dans le titre de la chanson. Le titre de la chanson comporte 4 mots ou plus. Il n'y a pas d'animal sur la jaquette. Le titre est plutôt marrant. Tu crois que ça te suffit pour trouver? On verra. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celui-là. Désolée. Tant pis. Envoie les paillettes. C'est pas si mauvais que ça. C'était comment? Oh mon dieu! On dirait du sirop de maïs avec des éclats de peinture? Je sais pas. Eh, merci d'avoir joué. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Il faut que je retourne travailler. D'accord. Il y a sûrement quelque chose dans le Black Lantern qui m'aidera à trouver le whisky préféré de Ducky. Cinq boules seulement pour une chance de se faire mettre en pièces par un ours?
si j'en crois mon incommensurable expertise en lecture de cartes, il y a beaucoup de verdure par ici. Oh, c'est Ryan, ça? Oh, c'est bien. Celle-ci date d'hier. Attends, j'accuse le colonel Ducky sur le canapé de Gabe avec la bouteille. Waouh, je me demande si la balle est encore dedans. Reposez en paix, monsieur. Ils doivent utiliser ça dans les mines. Peut-être que j'irai au cirque un jour, une fois que je serai capable de supporter la foule. Y a-t-il quelque chose qui ne lui réussisse pas ? Personnel étonnamment avenant. Bien joué, grand frère. Merde. Mac a peur maintenant. Mais au moins, il est pas en train de péter un câble. Il me fera pas perdre le contrôle. Ça a l'air intéressant. Jed m'a demandé de débarrasser ça. Waouh, je l'ai vraiment pas loupé, Mac. Espèce d'idiot, tu vas la perdre. Tu vas la perdre, et ce sera ta faute. Quel éclair de lucidité. Idiot, tu vas la perdre. Tu vas la perdre, et ce sera ta faute. Des coupons pour de la bœuf ? Quelle époque ! Que de mystère ! Que de mystère ! Que de mystère. Haven a l'air de prendre ce festival au sérieux. Jed est un véritable héros. Oh putain! Est-ce que je peux te parler vite fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute. Ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok? Pour tous les deux.
Où est-ce que tu veux en venir ? Riley va arriver. Et elle est en pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore, tu vois ? Donc, t'es en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir ? Non. Non, mais genre... Laisse-moi lui parler. Autrement, Riley va me plaquer ! Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel ? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Non, ça va. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Où est Gabe ? Qu'est-ce t'en as à foutre ? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure, c'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou... Ou c'est fini. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi ? De toi. Pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre ? Ce connard m'a frappé en traître. Enfin... pas exactement en traître, mais... Mais c'est lui qui a commencé, en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais, toi aussi. Ouais, j'y étais. Mac te raconte que des conneries. Tu sais quoi ? En fait, ça m'étonne même plus. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Riley. Mac a débarqué, il a accusé Gabe de coucher avec toi, il l'a frappé en traître, et il l'a laté quand il était au sol. Riley, écoute ! Et le visage de Mac ? C'est moi. Très bien. On dirait qu'il l'a mérité. Merci de m'avoir dit la vérité, Alex. Attends, est-ce que ça va, nous deux ? Non mais tu te fous de ma gueule ? J'ai tellement honte de toi, je te jure. On est encore... ensemble ? À ton avis, espèce d'abruti ! Non ! Alex Chen ? À peine arrivé ici, vous agressez Mac Loudon, hein ? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste. C'est Mac qui a agressé Gabe. C'est à lui qu'il faut parler. Ta tête. Ah, si t'avais vu ta tête. Oh la vache. Oh, je rigole. Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. Tu m'as bien eu. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre ? Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir.
mince, est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que j'en ai trop fait? Il fallait oser, je confirme. Mais le shérif adjoint Pike, c'est celui qui était avec Ducky et Gabe hier soir. Il va falloir que je passe à la vitesse supérieure. Salut Alex. Je viens boire ce fameux verre. Très bien. Eh, Jed, on pourrait avoir... Merci. Et faites vite, elle est de service. Tu sais... Ça fait des mois que ton frère parle de ton arrivée. Je commence à avoir cette impression, oui. Je me souviens même exactement du jour où il a trouvé ton numéro. Il en parlait à tout le monde. Ah ouais? Ouais. Ça faisait chaud au cœur. T'étais avec Ducky et Gabe hier soir, non? Qui t'a dit ça? Ducky a perdu son whisky préféré, on dirait. Probablement à l'étage. Oh non. Tu l'as vu avec la bouteille? Non, quand je suis parti, il était encore ici en bas. Oh, mais tu sais quoi? Tu devrais examiner le mur de la honte de Gabe. Il y a peut-être des preuves incriminantes dessus. En fait, si. J'ai bien vu de qui à l'étage. Je le savais. Ça vaut le coup de chercher à nouveau des indices. Bon, il faut que je retourne travailler. À plus, Alex. C'est un endroit agréable, Evan. Si seulement je pouvais me sentir chez moi. J'espère qu'on y arrivera bientôt, elle et moi. Vous rigolez. Allez, voyons si j'arrive à trouver le whisky de Ducky ici.